Messieurs, bonsoir. Vous vous retrouvez donc dans cette forêt, au bout de la forêt d'Émeraude, où vous traquez justement les créatures qui ont eu la vie de la druidesse quelques temps plus tôt. Vous entendez donc à travers la forêt des bruits, des cris, un bruit horrible, terrifiant, qui est inhumain, et un autre qui pourrait s'apparenter à un appel à l'aide. Vous arrivez dans la forêt, vous vous êtes situé. Vous entendez les cris qui viennent au bout du chemin. Donc, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre première réaction? Tour de table. Qu'est-ce que tu fais, Grunlec? Je regarde aux alentours, je vois qu'il y a des cadavres un petit peu partout. Est-ce que je vois quelque chose de particulier? Droite, gauche? D'accord, tu observes. Donc, tu es en Mais posture en continuant défensive. d'avancer. D'accord, Posture on continue défensive, je d'avancer. continue d'avancer doucement en observant ce qu'il y a autour de moi. Je te laisse avancer un tout petit peu, pas plus loin Une que case ici. là. Voilà, Voilà. très bien, une case, c'est très bien. Théo, qu'est-ce que tu fais? Déjà, j'aimerais bien savoir, c'est quoi les espèces de flaques d'acide vertes Très, très bien. Mais moi aussi, j'avais remarqué, je l'attendais en fait, celle-là. Donc, alors, je vais répondre du coup dans l'ordre immédiatement à la question de Grunlec. Donc, autour de toi, en effet, tu vois donc des cadavres, des carcasses de loups, des carcasses de ce que tu peux voir. Les carcasses sont récentes. Et une odeur t'agace, t'ennuie, t'obnubile. C'est celle qu'analyse Théo, le paladin, et qui sont ces sortes de flaques d'acide. Autour, il y a des sortes de bulles qui émanent de ces plaques d'acide et ton destrier lumière, Théo, refuse catégoriquement de s'approcher trop près de ces flaques. Je vais pas lui demander de patauger dedans, de toute façon. Tu peux essayer. Non. Je vais demander à Fizz. Non, pas Fizz. Naruto, tu sais quoi, c'est quoi le nom de ton perso de Shin, voilà. C'est Sakura. Sakura. Sur les cartes. Sakura. C'est tu saurais analyser ces flaques au sol là? Non. Ça a l'air de c'est des flaques d'acide, qu'est-ce que je vais Attends, faire Théo, je vais en boire, je vais clair, sortir moi comme je ça, pense que un mug. Trempe ton gueules, doigt, voir ce que ça fait. Voilà, non, depuis non. que Shin mais, s'est fait. Mais moi je visualise trop le mec. Ouais, c'est du cyanure. Mais j'en sais rien, c'est toi le mec de la forêt là. Non mais il décide oui, de faire non, la mais gueule je suis pas depuis idiot tout à l'heure, autant, c'est quoi. Tout. Non, je fais la gueule, Shin, c'est pour ça, c'est tout. Il s'est encore fait bouffer la main, il a toujours perdu son PV. Ouais, bon, mais maintenant je suis prudent, ouais, voilà, j'arrête les conneries. On va arrêter de foncer tête baissée dans les dangers. Et je pense pas que ce soit du Tang Kiwi, ouais, donc voilà, on y va tranquille. Par contre, est-ce qu'on... ça nous évoque quelque chose, enfin, est-ce qu'il y a une odeur ou une texture, voilà, est-ce que ça rappelle un peu l'araignée qu'on a croisée plutôt? Alors... Je vais te répondre à toi parce que tu as précisément posé la question de cette manière, donc oui, et j'aurais d'emblée dit à Bob, qui lui a analysé la plaie de Théo, qu'en effet, il a vu, quand il avait vu la plaie béante de Théo, avant que Théo utilise son sort de soins pour se soigner, il avait vu cette plaie béante et purulente, une sorte d'acide qui commençait à attaquer son organisme, qui est directement lié à cette matière verdâtre au sol et qui continue d'agresser le sol et qui a du mal à rentrer à l'intérieur tellement c'est spongieux quoi. Ok, il y a des aliens par ici quoi en fait. Ah, il y a un peu de ça. Et Grunlec en a mangé donc. Au mais secours, non. Aidez-moi! Au secours! Ah ouais, j'ai le droit à un tour peut-être? Non, rien. Bon, oui, oui. Alors, je voulais savoir, je voudrais poser la question comme ça et voir si derrière j'ai le droit de faire un jet d'érudition ou je ne sais pas quoi pour les saloperies de flaques vertes. Mais je voudrais voir la question si je peux pas faire, tu sais, comme t'appuies sur le champignon et tu proposes une réponse plutôt que d'attendre les quatre réponses qui s'affichent. Ça ressemble saldement à un limon des marais, si je puis me permettre. Tu veux dire, est-ce que ça serait vivant finalement, c'est ça? Alors, vivant à proprement parler, ça genre prendrait ça respire, vie. Ça, et tout. Oui, voilà. Si soyons ça. Alors, et fais-moi un test d'érudition et pour cette question dirigée, je t'ajoute un bonus de 10%. C'est gentil. J'ai quoi? J'ai 60. Ne t'habitue pas trop à ça. Est-ce que les gens peuvent le dire? Parce que j'ai pas les fiches sous les bras vu que j'ai. T'as 85%. Eh ben, attends. 85. Ouais, 47. 47, c'est prof. Tu me déçois, bon. Ah, tu vois, là, j'avoue, j'attendais le 96. J'attends d'être là. Ouais, ouais. Non, jamais mais vu tout ça. Tout le monde comptait sur toi, ouais. Tu sais. Et le mec, il est là. Oh, ouais. je sais, c'est du vinaigre du marais. Ça va super bien avec le pain. Il n'y a pas assez d'enjeux encore pour le rater. C'est clair. Pareil, si on marche dedans, ça porte bonheur. Et non.
La réponse est non. Ce n'est pas, ça ne risque pas de prendre vie. Bon. C'est en effet... Alors, tu reconnais, je te laisse déplacer un peu ton personnage par là-bas, parce que du coup, faire de l'analyse à cette distance-là, ça va être un peu difficile. Voilà, donc tu t'approches par là. Et donc, à cet endroit-là, donc, tu commences à analyser, tu t'approches pas trop près, évidemment, hein, tu ne mettrais pas le pied dans ta tête. Je préfère que ce soit Théo qui soit le plus proche de la flaque que moi, parce que si j'avais raison et qu'elle était vivante, je... Alors non, ce n'est pas vivant. Par contre, tu reconnais quelque chose qui te glace le sang. Tu sembles voir des morceaux d'os à l'intérieur. Ce n'est pas vivant, ça ne risque pas de prendre vie. D'après ce que tu as pu étudier dans... à l'Académie de Mages avant que tu te sois fait bannir, mais tu reconnais des morceaux d'os, il y a des os. Alors, on a quand même de la chance parce que non, le fait qu'il y ait des os à l'intérieur ou autre, on était à ça d'avoir des limons démarrés sur la gueule. Parce que déjà, avec les flaques d'acide, c'est pas drôle, mais si en plus elles bougent et qu'elles essaient activement de nous choper, c'est encore moins drôle. Allez, au secours, aidez-moi! Ah oui, c'est vrai, il y a ça, les mecs, faudrait peut-être se manier, oui. Ouais. On avait oublié. Ça vient de. D'accord. Le nain, c'est qu'on entend des cris de partout, de la druidesse. Oh, c'est les flaques. Ouais, c'est les flaques. Il y a un nain qui est de dos, qui est en train de donner des coups de hache dans quelque chose. Tu sais pas trop quoi. Il y a que toi, Grunley, qui arrive à voir en t'approchant. Donc je te laisse t'approcher légèrement. Bah, du coup, si je le vois, je vais commencer à rusher pour l'aider. Hein. J'étais à ça de faire interruption boule de feu direct. Tu me dis jusqu'où je peux aller. C'est bon. Et donc, je vais. Vous autres. Piétine au loup, quoi. Ouais, c'est vraiment pas sympa. Vous autres, vous allez voir après ce qui va apparaître. Toi, tu prends la mesure du danger. Il y a à ce moment-là une créature qui est en train de se battre contre le nain, qui pousse un cri strident, si on peut appeler ça un cri. Il attaque, il donne des coups de patte sur le nain. Au secours, aidez-moi! Il essaie de regarder par-dessus son épaule, il n'y arrive pas, il donne des coups de hache, il se prend un coup de patte, il tombe au sol, il essaie de se relever, et à ce moment-là, l'araignée lève ses deux pattes avant. Face au nain, qu'est-ce que tu fais, Grunleck? Tu es trop loin. Est-ce que je peux tirer sur l'araignée? Tu peux tenter. De cela, oui. Tu peux essayer de tirer avec en improvisant, donc en générant donc la magie étrange de ton mécanisme du bras. Donc en puisant éventuellement dans ta force mentale, tu peux y arriver, sachant que tu vas faire ça très rapidement. Et le but étant d'essayer de déstabiliser l'araignée pour pas qu'elle tape le nain le temps qu'on arrive. Grunleck, en ces paroles, je vais prendre tous tes mauvais jets et je ferai les 90 à ta place. Va, mon fils, c'est réussi. Vas-y. C'est parti. Tu peux le faire. 45 pour 70. Ah, ça marche, le prochain jet est foiré, je l'annonce. Le mien. Je compte sur vous, les amis. Je voulais tenter un truc, quoi. Oui, bah justement. Mais toi, t'es trop loin, t'es derrière, voilà. T'as mal à la main, c'est tout. Il a l'air mal en point, il faut vite l'aider. Ouais, on va se donc, tu tires donc avec ton arbalète de poing. Il y a le carreau qui s'envole et qui vient contre l'araignée. Et quand tu tapes, tu vois que le carreau explose contre la chitine de l'araignée, quoi. Elle passe entre les poils de la créature et explose littéralement. Tu la vois voler au loin, le carreau. Et à ce moment-là, l'une des pattes embroche la jambe de l'araignée. Elle a même pas fait un petit l'araignée embroche la jambe du nain. Ça sert à quoi de réussir un jet si ça fait rien? Ça sert à quoi? Tu pouvais tirer à l'arbalète déjà, toi. Oui, déjà d'une. En plus, c'est vachement magique l'arbalète. Et de... Mais bon, c'est ta gueule, c'est magique, j'imagine, dans ton avance. Est-ce que tu l'as à la main, la gueule, et tout, ça serait classe comme ça, le bras arbalète. Et de trois, le fait d'avoir réussi, ton jet indique que tu l'as touché. Par contre, ça lui fait pas de dégâts. C'est comme si je réussissais un jet de flèche contre un squelette. Ça lui fait toujours rien. Ah, il faut que tu t'habitues, Grunleck. Rien n'est juste dans mon monde. Non, mais j'ai remarqué. Je confirme, j'arrive même pas à voir la justice par rapport au jet. Alors quand je réussis, je sais même pas ce qu'il va me faire. Ah, mais je n'ai jamais prétendu être quelqu'un de sympa. Et donc, alors, ceci étant, Théo, à toi, qu'est-ce que tu fais? Je charge avec le cheval. Donc, tu vas arriver. Je précise, j'ai la lance aussi, parce que j'ai deux armes. J'ai une épée et un bouclier, mais j'ai une lance aussi. Je me sers de la lance. Tu vas tirer avec les dents ou. Bah non, tu tiens comme le cheval avec la main gauche et la lance avec la main droite. Théo, l'écoute pas, il est jaloux, c'est tout. Alors, avance. Donc, tu avances, tu vas arriver. Alors, même si t'étais en arrière, le fait que tu sois en destrier fait que tu vas pouvoir avancer jusqu'à peu près là, tu vois. À travers le loup. Tu avances.
Et donc, toi, Bob, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai deux actions qui sont liées, donc ça devrait passer. Primo, mentalement parlant, je vais commander à ma monture, qui est magique, je rappelle, hein, donc qui est techniquement liée à moi, parce que bordel de merde, c'est quand même mon canasson magique, c'est pas juste un canasson qui a été dressé, c'est mieux que ça. Je vais lui commander c'est mentalement de charger l'araignée, droit dedans, dans le simple but de lui rentrer dans sa face. D'accord. Utile, pas utile, j'en sais rien, mais j'envoie 200 kilos dans sa gueule, on va voir ce que ça donne. Alors, il fait pas dégâts de flamme, ça reste une monture, hein, c'est pas une créature intelligente hein, que tu vas lui dire de charger, c'est une monture. Donc, ah bah c'est ça, une monture invoquée, si c'est pas une invocation qui est pas sous mon contrôle, j'ignore comment ou autre, si j'invoque des lapins, on va pas aller loin non plus. Bah justement, il fallait qu'on en parle. Ah, bon bah... donc... c'est ton nouveau pouvoir. Alors, selon ce que tu vas me dire, je me réserve le droit de l'annuler parce que j'assume que je le connaissais évidemment. Avant ça quand même, ce genre d'info. Évidemment. Merci. Non, non, y a pas de problème, juste qu'il faut que tu t'habitues à ce qu'il ait une intelligence animale, quoi. D'accord. Bon, ça veut dire qu'il n'acceptera probablement pas de charger l'araignée comme un gros con si je lui l'ordonne. Bah il va charger mais il va pas essayer la lumière est un cheval de guerre quand même. Oui oui voilà, c'est ça, c'est pour ça exactement. Donc il va charger éventuellement l'araignée mais quand il va arriver à une dizaine de mètres il va faire oh je crois que c'est une mauvaise idée. Ouais je pense, c'est dommage. Donc, je pensais qu'il était vraiment brainless et que c'était juste un avatar de je ne sais pas quoi. Non, là je l'aurais balancé en plein tu en confonds dedans. Avec Chine bah ça aurait donc, pu être sympa comme idée, c'était une idée. Bon tant pis, bon bah du coup je vais m'approcher et tenter de caster une boule de feu, du moins pas forcément la lancer tout de suite, peut-être à prendre une dizaine de secondes. Tu peux la faire avancer hein, ça t'empêche pas de faire avancer ta créature invoquée hein. Ouais bah je vais la faire avancer sous l'arbre là, sous là, mais ça c'est pour le truc. Moi pour mon action j'aimerais me déplacer. D'accord. Peut-être de ça, de pas beaucoup. Oui. Et commencer à caster une boule de feu, pas la lâcher, juste la garder en main. Si je peux d'ailleurs. D'accord. Avoir un jet qui me permettrait de la garder en main pour ensuite la lancer, ce serait l'idéal. Voir si je la foire tout de suite ou si je la foire au moment où j'en ai le plus besoin. Tu veux dire si elle foire à ton niveau ou au niveau du groupe, c'est ça? C'est ça. D'accord, très bien. Non, non, c'est non, attends, attends, on s'est mal compris. Ce que je veux dire, c'est que je veux voir si je suis capable de prendre une boule de feu là d'avance et si je la réussis maintenant, au moins je pourrais la balancer quand j'en aurais besoin sans être sûr de la foirer. Ah, plutôt que de me trouver à 1m50 de la créature, attends, ah ah. Voilà, tu anticipes le fait de rater. J'anticipe le fait d'échouer, ça me laisse. Hey, j'ai le temps d'avoir deux fois le temps de lancer une boule de feu là, la distance. Fais-moi un test de mental, mon cher Bob. Alors, je mental, j'ai 70. Comment il essaye de négocier? Je négocie pas, je stratégise. Si, si, tu négocies. Ne me faites pas chier. 36. 36. 36. Oh, bon, incroyablement, là maintenant que je suis là, là je suis bien dans ma game, là il est loin, j'ai le temps de planifier, de stratéger un peu, avec de la chance il va tuer le nain avant d'arriver dessus, j'ai le temps de faire ma boule de feu, je la fais bien, tu sais comme le Rasengan, tu vois, tu prépares bien, tu le poupougnes, tu le brosses. Non, c'est moi qui fais des Rasengan. Donc oui, tu es en train d'invoquer, donc je t'ai mis le symbole d'invocation au-dessous de toi, donc tu es en train d'invoquer donc les pouvoirs magiques. Et de plus, ça me permettra de vous prévenir vocalement avant de la balancer, ce qui fait que vous pourrez peut-être vous écarter avant. J'aime bien le peu. Mais mec, j'ai foiré. Parlez-vous, c'est en train de péter. C'est ça. Non mais maintenant, je prends toutes les précautions parce que je me rends compte que je suis un glace canon aussi, donc faut faire gaffe. D'accord, très bien. Alors Shin, qu'est-ce que tu fais? Alors moi je commence à m'élancer dans une petite foulée comme ça, très classe, et je commence à armer. Très bien. Je suis loin donc je dois voilà, me mettre entre vous tous. J'arrive à ce niveau-là et j'en profite pour décocher une flèche dans tous ses yeux en fait à l'araignée. Parce que même si ça va pas l'empêcher de voir, c'est au moins lui crever un œil histoire de lui faire très mal. D'accord. Et faire ça donc, au milieu de Théo et de Grunlek, histoire que ce soit classe et qu'on l'utilise pour le trailer. Tu vises les gros yeux ou les petits yeux? Alors, mais les grosses, en fait, je veux faire mal, en fait, je veux pas. Ouais, est-ce qu'au passage, la flèche nous touche légèrement et ça nous fait une petite cicatrice super classe? Non, t'es petit. Tout de suite. Sauf que. Non, on va pas faire la Nicky Larson dessus. Les amis, deux secondes. Juste, je vais récapituler. Donc, ce qui va se passer, c'est que donc Shin va faire son tir et après ça, normalement, c'est Grunley qui va commencer le tour. Sauf que comme Théo aura effectué sa charge pendant tout le tour précédent, c'est lui qui va arriver en premier. Il a attaque préemptive, d'accord. Voilà, exactement. C'est lui qui prendra la boule de feu. Alors, tant mieux. Pour le coup du tir, en nonobstant la présence de Grunlek, parce qu'il est petit, il est à 1 mètre devant et donc le tir devrait être assez dégagé quand même. C'est l'autre nain qui est devant l'araignée qui, elle, devrait pas faire 1m50 de hauteur parce que c'est pas un cheval. Donc pour toucher un œil, il va falloir passer entre guillemets à travers le nain ou bien viser. Le nain, il donc est là, à terre, il a une. Ouais.
Il a la jambe transpercée. Oui, mais un nain à terre ou debout, ça fait pas de grande différence de taille quand même. Très attention. Si j'utilise Grunleck, très attention. Si j'utilise Grunleck pour me propulser, à mettre le pied sur son épaule, c'est exactement ce que j'allais dire. Comme dans le film de Tom, tu sais. Tu veux le plan pour le trailer. Je veux la voir, s'il te plaît. Fais-moi cette action, Seb. Fais-moi rêver avec cette action. Est-ce qu'on peut tout grouper avec un lancer? Alors, si Grunleck est d'accord pour te propulser en air en utilisant son dos comme appui, je t'ajoute un bonus de 10%. Je rappelle que j'ai absorbé ton... Je suis d'accord. Ah oui. J'ai absorbé ton potentiel échec, hein. Ça passe. Je veux voir l'accord. À la Olivier Tom. Voilà. Je veux décocher une flèche en l'air sans aucun malus. Eh. Parce que c'est classe. Il n'y a pas de malus quand c'est classe. Il y a un bonus quand c'est classe. Ouais, parce qu'en plus, c'est comme, je fais un mouvement circulaire avec le bras et je la génère comme ça. Tu vois, l'eau se transforme en glace. Et il fait un salto. Il fait un salto. Tu respectes. Ouais. Le cirque punner, quoi. Hop là. Mais ça peut être bien comme concept. Quand tu fais des trucs super classe, t'as un bonus. C'est ça. Ouais, mais heureusement que c'est la première fois. Parce que sinon, là, c'est moins 60 le malus, là, direct, normalement. Ah, mais s'il faut, j'ai marché dans la flaque d'acide. Je vais glisser sur l'épaule de Grunleck et me casser la gueule dans un cadavre. C'est pour ça que je vais te faire faire deux tests. Le test de tir et le test de saut, j'imagine. Le premier test qui va être celui de saut va être celui de Grunleck pour ajuster ton appui. Donc Grunleck, fais-moi un test. Donc, alors j'essaie de voir ta compétence la plus basse. Merde. Social. Elle est à 60. Bah utilise ton 60. 48. Oh, tu l'as réussi. Le mec il se tombe, il se cale. Le gars c'est un trampoline. Voilà ce que c'est. Comme à l'entraînement. Donc, ah ouais. Tu t'appuies comme ça, tu courbes ton dos, tu sais quand tu bouges les os de ton corps, tu les entends, tu sais, à l'intérieur de toi. Donc tu craques tes os et en même temps tu bombes le torse au moment où il arrive et à ce moment-là tu bombes le dos et au moment où le Théo qui est blasé, genre oh, les mecs, c'est n'importe quoi. le gars je l'imagine trop, il est sur son cheval, il est en train de regarder le truc, tu sais, avec les armes et tout. Mais... Non, mais non, là. Non. Pas la rabat joie, quoi. Non. Et donc, Shin, fais-moi un magnifique échec critique, s'il te plaît. Donc, tu arrives. Allez, faut qu'on joue le soir. Je vais pas faire un soir. 21, c'est beau, c'est beau. Ce tir de l'amour. Là, c'est la cinématique. Si tu peux mettre l'intro du nouveau Zelda sur Wii U, ça va servir à rien. Je pense qu'il faut arrêter la vidéo là et mettre le générique de Leave It Home, c'est obligé. Là, il faut arrêter de mettre la vidéo là et mettre le générique de Will Smith. Donc, tu arrives en l'air à ce moment-là, Shin, et tu empoches donc ta flèche de cristal et tu lâches et elle capte les rares lumières solaires et en passant. Elle éclaire la lumière de captée par ta flèche, reluit sur l'armure du paladin qui passe, et toujours elle passe à côté de toi, Théo, et elle rentre dans l'œil de la créature qui hurle de plus belle, qui se lève, et à ce moment-là, tu vois se dessiner un dard terrifiant sous son ventre, et le dard rentre dans le nain, et à ce moment-là, vous voyez que la trompe commence à se gonfler et à injecter en masse quelque chose. Le nain pousse un hurlement terrible avec... Bande de cons. Je gérais la situation depuis tout à l'heure. Shin, Crane, vous en faites pas, c'est pas de votre faute, c'était scripté. Vous en faites pas. Ouais, le nain, apparemment, il pouvait pas s'en sortir. Hein. Oh, le mec, il y a un truc avec les nains, moi ça me fait pas du tout ce qui se passe. C'est faux. La mort d'Aerys met sur des Viantart, c'est-à-dire qu'elle se fait injecter des œufs dans le dos. C'est décoré. Donc, très bien. C'est dégueulasse. À ce moment-là, Théo, tu arrives. Quand tu arrives, la créature semble injecter de plus belle, donc cette sorte de produit, et tu as un très mauvais pressentiment alors que tu es avec la lance. Qu'est-ce que tu fais, Théo? T'es le premier à agir. J'ai envie d'embrocher le nœud, en fait. Très sérieusement, ça serait peut-être la meilleure idée du siècle. C'est pas bête, hein, quand il souffre qu'il en peut plus. Elle est en train de crever, l'araignée, ou pas? L'araignée, elle est pas en train de crever, elle a une flèche de cristal dans l'un de ses yeux, mais elle est en train d'injecter en masse des choses à l'intérieur. Attends, le nain est en train de gonfler. Je veux clarifier un truc juste avant, Fred. Tu clarifies rien du tout, non, tu te dépêches. C'est pas ça. Pourquoi tu veux empaler le nain? Bah, parce qu'il va mourir. Ah oui, faut pas oublier qu'il...
Fred t'as pas envie aime de aider les gens à mourir, enfin Théo. T'as pas... oui. Le paladin de l'euthanasie. C'est son grand trip. Son grand trip, c'est... Moi, j'allais juste te demander, est-ce que t'es sûr que tu veux pas lui demander comment il veut mourir? Oui, voilà. Non, mais je vais d'abord tuer l'araignée, je tuerai le nain après. Tu as 10 minutes, profites-en. Non, écoute, je vais tout en chargeant, donc parce que je tends la lance vers le ciel, j'invoque mon pouvoir de foudre, donc je fonce avec la lance pour embrocher l'araignée tant qu'elle est encore debout. Quoi. Tu me fais avant ça, donc le fait que tu aies bien réussi ton action et que ton action était d'abord concentrée sur le mouvement et en tant que cavalier alerte, tu me fais un test de mental, s'il te plaît. Pour la foudre sur l'épée, j'imagine. La lance, non, pardon. Pour autre chose. 45, ça réussit. Ça va. Alors, Théo, tu remarques quelque chose qui correspond à ton mauvais pressentiment. Tu vois que la peau du nain, là où elle est visible, elle commence à se déchirer, comme si le nain commençait à gonfler de l'intérieur, et tu fais le parallèle avec les flaques acides que tu as croisées plus tôt. D'accord. C'est à quoi t'aurais pu ressembler. Ben, tu sais quoi, en fait, ce que je vais faire, est-ce que je peux modifier mon action en cours ou pas? Maintenant. C'est ben maintenant, oui. Ben, je vais, j'embroche le nain en fait à la place et. Éloigne-toi. Je vais atomiser. Non, je vais en fait, ce que je vais faire, c'est je vais embrocher le nain et pendant que ma lance sera plantée dans le nain, je vais en même temps lever le bras gauche et faire appel à mon pouvoir de foudre. Comme l'araignée et le nain sont connectés, ça va électrocuter les deux. Mais toi et ton cheval? Ben moi, je suis résistant à ça. Je peux résister à la foudre. Sinon, je pourrais pas l'évoquer. Bah, il invoque, ouais, donc. Oui, c'est embrocher le nain, planter ta lance dans le sol, et puis t'en servir de tremplin pour passer derrière l'araignée et sortir ton épée. Non. Sinon, Chine, moi j'attends de voir quand est-ce que je serai une infugée aussi. Tu vois, c'est le genre de truc que j'ai pas envie de vérifier. Donc, moi je suis curieux. Vas-y, je regarde. C'est-à-dire, donc je fonce avec le cheval, je suis en pleine charge. Donc, j'embroche le nain par derrière, du coup. D'accord. Et en même temps, je fais tomber la foudre sur moi. Du coup, ce qui conduira l'électricité jusqu'à de moi au nain et du nain à l'araignée. Je suis tellement content d'être loin de tout ce bordel. Attaque tonnerre là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une action très risquée, mais qui a le mérite d'exister. Hein, dehors des couilles. C'est exactement ça plutôt. Et donc, t'es en train d'invoquer donc la puissance du dieu de la lumière. Donc le ciel se grise légèrement. Il y a une sorte de tourbillon à l'envers qui se produit en quelques secondes. Et alors que le nain continue à gonfler et que t'es en train de tenir par la bride donc ton destrier pour l'empêcher d'aller au bout de sa course, donc tu plantes ta lance dans le nain. Je vais pas te demander de faire un test pour attaquer quelqu'un qui est au sol et qui bouge pas. Dans la nuque. Quoique je pourrais faire un test d'esquive pour le nain, mais bon. Donc tu le plantes. Donc je te laisse décider où est-ce que tu le plantes. Hein. J'imagine c'est au niveau du torse. Voilà. Tu plantes au niveau du torse, tu lèves ta main gantée donc vers le ciel, tu psalmodies quelque chose lié à ton dieu, je te laisse hurler ce que tu veux. Vas-y. Pikachu, c'était très bien. D'accord. Très bien. Là, je lève la main, je fais tonnerre. D'accord, Non, c'est clair. Il y a un tonnerre donc qui arrive à ce moment-là et je vais te demander d'utiliser ton mental plus ta concentration. Ça fait 15 minutes. Le tonnerre arrive. Alors, le fait, juste un truc sur le corps. J'allais te dire. J'allais te dire que le tonnerre allait arriver quoi qu'il arrive et que ton test allait résulter si tu arrivais à le capter ou pas. D'accord. Donc, le tonnerre passe à travers ton corps. Il y a à ce moment-là. L'éclair, du coup, parce que le tonnerre, c'est le bruit qui fait. Oui, autant pour moi. Monsieur Tatillon. Non, pour m'avoir cassé les couilles, tu vas perdre 5% de mental. Non, l'éclair arrive sur toi. Donc, à ce moment-là, ça passe à travers ton corps et ça va le long de ta lance. Et au moment où ça touche le nain, il y a une sorte d'explosion qui se produit. Et aussi, quelque chose d'horrible, il explose par le dessous en fait et se répand lamentablement en dessous et ton destrier recule autant qu'il peut alors que tu maintiens la lance
il y a l'électricité qui poursuit son chemin, qui va vers l'araignée, qui à ce moment-là, qui utilise donc la trompe. Et l'araignée à ce moment-là, vous voyez comme dans Street Fighter, hein, qu'il y a Blanca qui utilise son pouvoir d'électricité. C'est ça. Il commence à se friser littéralement, et il y a des éclairs qui vont de part en part, ça sent le cramer là où tu es, et alors que par-dessous le nain, ça se répand, ce n'est pas que du sang, des cartilages et de la chair qui se répand sous le nain, mais il y a aussi de l'acide qui se répand. Donc il y a lumière qui commence à taper vers le sol alors que tu continues de tenir la lance dans le nain, et l'araignée qui bouge dans tous les sens, qui devient carrément épileptique, et qui s'agite, quoi. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je vais reculer, je lâche la lance, je la laisse planter dans le nain, et je recule légèrement avec le cheval à marche arrière, je laisserai Bob finir le boulot. Je te remercie, c'est ce que j'étais en train de penser. Du coup, je recule légèrement. Et je lâche la lance. Alors qu'il y a un bruit de tonnerre terrible qui se produit, et il y a quelque chose dont tu es le seul à avoir remarqué, toi, Bob, parce que tu es concentré à invoquer ton pouvoir depuis tout à l'heure. Ah, je le garde, hein, écoute, c'est pas une boule instant, hein. Là je l'ai bien préparé, j'ai pris le temps de viser, c'est propre, hein. Là je suis impec. Non mais c'est le but, sinon j'aurais jamais armé l'arme à l'épaule depuis aussi longtemps. Ce que j'ai fait, c'est littéralement une visée. Non, je vois Crane qui se marre. Je viens depuis si longtemps, depuis le tour dernier. Ah oui, bah, un tour d'avance, c'est largement plus qu'il en faut pour viser. Et donc, tu es le seul à remarquer ce qui se passe à ce moment-là en même temps. Alors que toi, Théo, tu recules et qu'il y a l'araignée qui s'agite, qui se retourne. Et tu, Bob, à ce moment-là, tu regardes à droite, à gauche de tes amis. Ce qui se passe. Tu te souviens, l'araignée vue au petit déjeuner. Je m'en souviens. Et bien là, tu en vois plusieurs qui vont prendre en tenaille tes amis Shin et Grand Lake.